Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va travailler cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG annonce qu'ils ne vont plus recruter au milieu du terrain. Franchement, pour moi, c'est scandaleux. C'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe, les amis. Si le PSG essaye de partir avec ses joueurs sans renforcer son milieu de terrain, je vous assure que ça sera le déluge à Ligue des Champions. Ça sera le désarroi. C'est inadmissible que tu vas peut-être laisser partir Marco Verratti et derrière, tu as quel milieu? Certes, tu as Ougarté, mais après, il te faut au moins un milieu créatif. Et actuellement, le PSG n'en a pas. La priorité actuellement même devait être le milieu du terrain. Ça devrait être la priorité du PSG actuellement. Un bon milieu de qualité. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Et s'ils partent en Ligue des Champions avec ce milieu, ça serait une catastrophe. Quand tu compares avec le milieu du Bayern, du Real de Madrid, de Manchester City, il n'y a pas photo avec le milieu du PSG. Il n'y a pas photo. Donc, le PSG doit recruter dans ce secteur de jeu. Et partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec les dirigeants qui estiment que ce milieu est déjà de bonne qualité? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.